Alors, la fête de la mer et des littoraux, en vérité, c'est une organisation nationale, mais qui ne se pratiquait pas sur le littoral méditerranéen, ou très très peu. Nous avons trouvé ça tout à fait intéressant pour notre ville, qui, il est quand même bon de le rappeler, à 25 km de littoral. On se devait de s'approprier cette fête de la mer et d'en faire une fête à la ville de La Seigne, autant sur sa rive sud, sur la plage des Sablettes, le port de Saint-Elme, Fabrégas, le Cap Sissier, que sur la rive nord où nous sommes ici, c'est-à-dire dans la rade. Pour que la fête soit totale, nous avons souhaité adjoindre à l'activité nautique, celle qui se passe sur l'eau, une activité qui se passe sur terre, en demandant aux entreprises prestigieuses qui se trouvent de l'autre côté sur le port de Brégaillon, et ça qui nous permettait de présenter aux Seynois les activités qui se déroulent sur leur territoire et de se les approprier un petit peu aussi. Cette course que l'on vient de voir d'OFNI, d'objets flottants non identifiés, et qui viennent d'animer le plan d'eau d'une manière, on a pu voir tout à l'heure l'ambiance que ça crée sur le long, tout le long du quai. Je pense que nous aurons l'année prochaine beaucoup plus de bateaux de tradition, beaucoup plus d'OFNI, beaucoup plus de spectateurs tout simplement, et même de participants.